dans l'apéritif, vous avez pu goûter un chocolat apéritif aux chèvres, donc un palais où il y avait un petit trait de dorure dessus. Et donc, en fin de compte, c'était la couverture Altapaz avec une ganache aux chèvres. Je vais vous remontrer le process pour faire les palais de manière rationnelle. Donc, en fin de compte, c'est deux palais de chocolat noir qui sont brillants des deux côtés. Donc, on met sa couverture au point. On va mettre un peu de chocolat. Je l'étale. Et au moment où le chocolat va commencer à bloquer, je vais venir l'écraser avec mon rouleau. Et donc après, ensuite, il suffit de décoller. Donc la partie décoration, j'ai pris un petit peu de colorant scintillant avec un petit peu d'alcool à 90. Et donc en fin de compte, je vais venir un petit peu customiser mes palais quoi. Après ensuite sur le macaron. Donc là c'est un macaron que j'ai fait avec le jamaya. Donc j'ai fait une infusion de citron vert, ganache au chocolat. Et donc avec deux coques, côté vert pour le citron vert et chocolat. Et donc voilà.